Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pavlet Bozou, Alison. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Bien de vous rencontrer. Vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire des tournées de promo de ce type. Un petit peu à la bonne franquette, on est dans une cour d'école. Ça vous inspire quoi, ça? Toi, ça t'a ému, toi? Alors déjà, très, très bon choix du verbe. Et puis non, c'est de la simplicité. Il n'y a pas besoin de, toujours d'avoir des paillettes, des tapis rouges, du monde, des photographes qui crient le prénom d'Alison toutes les 15 secondes. Moi, j'aime bien le luxe, cela dit. Alors oui, mais bon, là, on est aussi dans un luxe. Et c'est le luxe qui est d'être avec des gens qui nous posent des questions sur ce film. C'est un luxe parce qu'ils s'intéressent au film. Et ça, c'est un luxe. T'as vraiment du cœur. Moi, j'aime bien les maternelles. On est dans une école maternelle. Quel directeur d'acteur est Danny Boone? Est-ce qu'il est à cheval sur le texte, sur la vision qu'il a au départ? Dites-nous comment ça se passe. T'as trouvé qu'il était à cheval, toi? Non, en fait, j'ai trouvé qu'il était... À cheval, c'est un mot que je trouve un peu péjoratif. Il était attaché à ce que lui et Laurence ont pensé être précis et donc pertinent et important à l'histoire. Et donc il y avait une liberté. Ils nous ont laissé des libertés. Ouais. Des libertés, des plages de liberté à des moments où c'était nécessaire. Mais sinon, il était vraiment, il savait ce qu'il faisait et c'est un directeur d'acteurs qui est très généreux et qui est client de ses acteurs, qui aime beaucoup les acteurs, donc qui laisse beaucoup de place quand même. Il a beaucoup de blagues, ils sont forts pour écrire des blagues et des scènes de comédie, Laurence et Dany. Je pense qu'ils savent comment ça s'écrit. Et du coup, nous, c'était vraiment hyper grisant de faire ça. Et il avait à cœur sur le plateau de garder le rythme. Donc on faisait des mises en place, on faisait juste le texte et après on cherchait des trucs et après c'était assez fluide. Ouais. Oui, il était... Tu faisais beaucoup rire aussi avant les prises, donc en fait... Réciproquement. Mais en fait, ils ont la notion de ce qui est efficace. Et Dany a la notion de ce qui est très efficace. Mais vous disiez que ça laisse quand même un peu de place pour la liberté. De quelle manière vous avez pu faire évoluer peut-être vos personnages ou proposer quelque chose? Ben oui, on pouvait proposer plein de choses. Après, c'est tellement... Enfin, je veux dire, c'est assez bien écrit et rythmé. Il n'y a pas besoin de tirer le truc vers soi. Moi, j'étais contente. La couette. La couetta. Tirer la couette. La couettasse. Non, moi, je trouvais ça assez organique. Quoi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, en fait. C'est vrai. À tout hasard, est-ce que ce tournage qu'on peut supposer en vase clos a accentué l'esprit de troupe, peut-être? Je ne sais pas. Ouais. Ah oui, complètement. Il y a un truc colo. Hein. Ah oui, colonie, complètement. Hein. Parce que en général, la complicité qu'on voit à l'écran est une complicité qui démarre en dehors des prises et qui démarre à l'hôtel, au restaurant, dans les voitures. Et c'est en aimant les personnes en dehors de leur personnage que finalement on se met à aimer leur personnage. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Alison. Je parle de nous parce que je parle du couple dans l'histoire, mais même François, Yvan, Dany, Laurence, qui sont des gens qui sont des copains en dehors. Tout le monde est copain, il y a un esprit de copain. Donc c'est grâce à ça qu'on crée la complicité après. Pour autant, expliquez-nous les conditions de travail peut-être un peu particulières. Peut-être est-ce qu'il y avait des protocoles ou des interdits, je ne sais pas. Ben, des interdits, on faisait attention parce qu'on était encore dans les premiers tournages pendant le Covid, ouais. Donc on faisait très attention. Il y avait les tests qu'on faisait régulièrement. Deux fois par semaine. J'essayais d'esquiver très régulièrement le médecin, mais c'était pas possible. Ils notaient tout. Ils étaient très précautionneux. Les masques, tout ça. Hein, on faisait très attention. Les déjeuners, on avait les vitres entre nous, tu te rappelles? Il y avait tout. On jouait à mettre les mains comme ça, comme dans les films.